Allez, bonjour la petite communauté. Voilà, la précédente vidéo, je vous avais montré comment il faut faire pour démonter un allumage. Si je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir les carters, c'est vraiment pas compliqué. Clé 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Normalement, les vis, elles ont jamais été démontées, comme je vois ce carter-là. N'a jamais été démonté, les vis se défont très facilement. Ça doit pas être serré énormément, je crois que c'est 1,1 newton. C'est-à-dire, c'est vraiment mi-compte. Bah vous voyez, c'est vraiment serré. Regardez. Celle-là un peu plus. Vous entendez le clic? Voilà. Voilà. Oh bah regardez, je comprends pourquoi le moteur des pertes de puissance. Quand vous voyez ça, il n'est même pas serré. Ça en est encore, on achète un moteur en encastre, on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec. Bah sur ça, vous démontez les vis. Je vais vous montrer un peu plus. Voilà. Une vis. Deux vis, trois vis, et ainsi de suite. Voilà. Un grand conseil, si vous voulez remplacer les vis, parce que bon, ça s'allonge, mais bon, c'est pas à 1,1 kg que ça allongerait les filets, sauf si vous voyez que les filets sont fort abîmés, mais ce qui m'étonnerait. Sauf si c'est un moteur qui a déjà été démonté, redémonté. Mais bon, c'est très rare que j'en fasse ça. Assembler les goujons. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'avantage chez Ludix, ça c'est la seule chose qu'ils ont bien fait, c'est que les goujons ont tous la même longueur. C'est-à-dire que vous pouvez les remettre comme vous voulez. Moi, un conseil, c'est comme je dis, vous avez vu comment je les ai démontés. Je sais que la première, elle va là, la deuxième, elle va ici, et vice-versa. Ça veut dire que vaut mieux remettre les vis où ce qu'elles étaient. Un conseil pour vous, c'est plus facile, c'est plus pratique. Si pas, vous les numérotez, mettez-les sur un morceau de carton, et vous les placez. Vous faites le dessin du carter, comme ça, à la main. Et vous les remettez ainsi, vous êtes sûr. Mais bon, moi je sais bien que c'est les vis comment je les ai démontés. Et avec ça, ben, vous tirez un petit peu. Bon, ici le carter il est bien froid, ça veut dire que il est bien rétracté. Quand vous avez fait ça, bon, ben, il n'y a plus grand chose à faire. À part prendre un décapeur thermique. Il y a beaucoup qui font ça à la lampe, ça veut dire avec la flamme. Moi j'aime pas. Je préfère un bon décapeur thermique. Vous placez le décapeur thermique ici, vous faites chauffer comme il faut le carter, il va se dilater. À ce moment-là, vous prenez un marteau, vous laissez le boulon ici comme ça. Maintenant, c'est pour ceux qui reprennent le vilebrequin, il faut faire très attention. À ce moment-là, vous mettez le boulon à ras, un peu dépassant. Vous chauffez un ou deux petits coups de marteau et il va s'ouvrir tout seul. C'est vraiment pas compliqué. Après, bon, malheureusement, pour le vilebrequin, là, il faudra un arrache à roulement. Ça veut dire que le trois quarts du temps, quand vous faites ça, les roulements restent ici. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut une pince pour arracher les roulements si vous gardez le vilebrequin. Maintenant, moi, comme je mets un nouveau vilebrequin, il manque. Oups, attention. Les roulements qui sont ici, ils vont venir se placer comme ça. Et voilà quoi. Maintenant, si vous voulez remplacer que les roulements sur votre vilebrequin, à ce moment-là, il faut un extracteur. Ça, c'est obligatoire, quoi. Mais si vous voyez. Eh ben, suite à ça, ben, je vous laisse. Passez une bonne journée et on fera la suite. J'ouvrirai les carters, je vous montrerai comment il faut faire, quoi. Allez, suite à la prochaine vidéo, passez une bonne journée et à la prochaine.